Le crabe aux pinces noires. Une histoire de Claire Bouillet, illustrée par Michaël Desrulieux. Cela faisait des marées et des marées que le vent était furieux et que de gros nuages nous cachaient le soleil. On avait au-dessus des antennes une grosse tempête, de celles qui remuent le sable sous les rochers. Chacun restait sagement à l'abri en attendant que ce moment de folie soit fini. Soudain, ma carapace frissonna. Une impression bizarre fit vibrer mes antennes, tandis qu'une odeur étrange me parvenait, de plus en plus forte, de plus en plus désagréable. Certains poissons, les poissons sont toujours à se plaindre. On dit ne plus pouvoir respirer. Ils ont commencé à s'agiter, à tourner en rond. Les anémones ont grogné quelque chose que je n'ai pas compris et ont refermé leur robe mauve et bleue. J'ai quitté mon abri et à petits pas de côté, je suis monté sur un petit caillou que je connaissais bien. Quel vent ! Les vagues avaient une force incroyable. Un temps à ne pas mettre une pince dehors. C'est une mouette au bec rouge qui a ramené la nouvelle. Les cormorans ont vu une flaque toute noire qui s'étire derrière un bateau immobile. Il paraît que ceux qui ont le malheur d'y plonger ne peuvent pas reprendre leur envol. Cette calamité arrive de notre côté. Il faut fuir. Tout en regardant un groupe de mouettes jouer dans la bourrasque, je me mis à penser à une histoire que m'avait racontée un vieux crabe tourteau. Il racontait qu'un gros bateau s'était tellement approché des rochers qu'il en était resté prisonnier. Une eau noire avait envahi chacune de nos cachettes, recouvert tous les rochers. Il racontait que les oiseaux étaient devenus tout noirs et flottaient comme de vieux morceaux de bois. Mais soudain, les oiseaux n'avaient plus l'air de jouer. L'un d'eux avait du mal à reprendre de l'altitude. La mouette planait comme une vieille feuille noire, et un souffle plus violent la projeta sur le gros rocher juste devant le mien. En trois coups de patte, j'étais près d'elle, et j'entendis la voix d'une vieille étoile de mer qui ronchonnait. « Non, mais faites attention! Il y a bien assez d'agitation ce matin !» La mouette ne bougeait plus. Elle grelottait, gémissait, épuisée et transie. L'étoile de mer étendit à nouveau une de ses branches, caressa les plumes de l'oiseau. « Oh là! C'est de la colle ce truc! Il faudrait qu'on puisse nettoyer tout ça! Comment faire ?» La vieille étoile semblait préoccupée. « La marée descend bientôt. Il n'y aura plus assez d'eau pour toi et moi. Il ne faut pas rester ici. »« Mais que va-t-il se passer pour lui ?» se lamenta-t-elle en désignant l'oiseau. Il fallait l'aider à gagner le rivage où sur le sable il pourrait sécher un peu. Ce n'était pas avec ma force de petit crabe que j'allais le porter là-bas. Quant à l'étoile de mer, elle commençait déjà à se réfugier là où il resterait de l'eau, même à marée basse. Je ferais bien en faire autant si je ne veux pas finir ma petite vie aujourd'hui. À qui penser? D'abord à moi ou d'abord à l'oiseau? Le rivage n'était pas très loin. Les rochers et les cailloux se succédaient jusqu'au pied de la falaise. Les vagues ne les recouvraient déjà plus régulièrement. Dans peu de temps, tout serait à sec, et moi avec. Le vieux crabe tourteau avait dit que les hommes pouvaient enlever la couche noire qui empêchait de marcher ou de voler. J'avais remarqué au début de la matinée deux petits garçons qui regardaient les vagues depuis le pied de la falaise. Ils étaient toujours là. Vite ! Il fallait aller vite ! Je m'approchais des enfants. Je devais faire attention quand même. Se faire remarquer, les attirer près de l'oiseau, sans finir entre le pouce et l'index. Les vagues étaient fortes et j'étais ballotté, plaqué au fond d'un trou, enlevé jusqu'au sommet d'un autre caillou. Je fus emporté par quelque chose d'élastique, de moelleux, de gluant. J'avais du mal à remuer les pattes. Les antennes me brûlaient. La vague me roulait sur le sable, j'étais traîné vers les rochers, propulsé vers d'autres. J'aboutis dans un creux où l'eau était plus calme. Je respirais un peu mieux, mais mes pattes étaient lourdes, difficiles à plier et à déplier.
un coup d'œil m'apprit que j'étais devenu par endroits aussi noir qu'une nuit sans lune. Le désastre! Je ne voyais plus les enfants. Je m'étais trop éloigné. Ils ne me retrouveraient jamais ici. J'avais échoué. Et le haut le cœur me reprit. J'avais quitté la flaque et son calme. Je prenais de l'altitude. L'océan était soudain bien bas, de plus en plus loin de moi. Ce devait être comme ça quand on était en train de pousser un index. L'étape juste avant celle du seau en plastique. L'un des enfants me serrait dans sa main et appelait son frère. Réflexe, inspiration, mes pattes se mirent à s'agiter dans tous les sens, les six en même temps. Et ce fut une chute vertigineuse qui se termina par un plongeon. Le petit garçon poussa un cri et tendit la main vers moi. Mais ses doigts glissèrent. J'avais retrouvé tous mes esprits. Mon plan devait se dérouler comme prévu. Filer, se faufiler, courir de caillou en caillou, de creux en rocher, de flaque en flaque, pour entraîner mon poursuivant vers la mouette en détresse. Difficile de courir avec ce sable qui collait à mes pattes. Les bottes bleues étaient rapides aussi. Je sentis plusieurs fois des doigts effleurer ma carapace. Frisson. Heureusement, je connaissais bien le terrain. Encore un petit détour et... Oh, regarde la pauvre mouette! Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Il faut essayer de la nettoyer. Tant pis pour ton crabe. Blotti juste derrière une anémone de mer, je ne bougeais plus. Les deux enfants avaient ramassé avec précaution l'oiseau toujours immobile. J'étais soulagé. Ils l'avaient même confié à un pêcheur qui, je ne rêvais pas, semblait lui parler doucement. J'imaginais mal comment les hommes s'y prendraient pour rendre à la mouette son plumage éclatant. Mais je ne pouvais que leur faire confiance. Ils savaient parfois faire tant de choses étonnantes. Je repensais au vieux crabe. Il ne s'était trompé qu'à la fin de son histoire. Il avait dit « C'était un temps bien triste que celui de l'eau noire, petit. Mais c'est du passé. Ce temps-là ne devrait jamais revenir. » Mais il était revenu. Il durerait même plusieurs années. Et beaucoup l'oublieront sans doute. Même moi peut-être. Car quand j'aurai un peu grandi, une nuit, je changerai tout mon habit et j'abandonnerai derrière un rocher ma carapace aux pinces noires. À moins que je n'oublie pas tout à fait cette histoire et qu'un jour, j'ai envie de la raconter comme le vieux crabe. On ne sait jamais. Tout est toujours possible. Qui a avalé Alfred? Une histoire de Sarah Roberts, illustrée par Anna Peck. Alfred tourbillonnait dans le vent quand soudain, il plongea dans l'océan. C'est peut-être un cousin, pensèrent les méduses. Mais ses rayures étaient trop régulières et ses tentacules trop courts. Alfred flottait entre deux eaux au gré du courant, car il n'était pas une méduse. Quand soudain, une chose horrible arriva. Quelqu'un venait d'avaler Alfred. Mais qui? Sa langue était râpeuse comme des bananes sur un rocher. Sa bouche ressemblait à une grotte et son chant puissant résonnait dans l'océan. Alfred était terrifié. Qui a avalé Alfred? L'énorme créature cessa de chanter pendant qu'Alfred s'enfonçait dans un toboggan géant. Puis, l'animal toussa et cracha. Alfred s'envola dans un nuage de vapeur. Une baleine avait essayé de l'avaler. Alfred retomba dans la mer, la tête la première. Il flottait tranquillement, calme et insouciant. Quand soudain, une chose horrible arriva. Quelqu'un venait d'attraper Alfred. Mais qui? Son œil était vif et son gros bec pointu portait une tache rouge.
D'un battement d'aile, il s'envola dans le ciel. Qui a attrapé Alfred ? Il lui donna des coups de bec, essaya de le picorer, puis de le déchiqueter. Mais impossible de le manger. Alfred était maintenant entouré de toute une colonie. Trop occupé à se disputer, les oiseaux ne le virent pas s'envoler. Un goéland avait essayé d'avaler Alfred. Le pauvre Alfred était déchiré, sale et tout abîmé. Il se mit à couler, couler, couler tout au fond de l'océan. Quand soudain, une chose horrible arriva. Quelqu'un essayait encore d'avaler Alfred. Mais qui ? Elle avait une petite tête plissée, une bouche en forme de bec et des pattes qui ressemblaient à des pagaies. Qui a avalé Alfred ? Elle toussait, secouait la tête, crachait. Mais Alfred était coincé. Une tortue avait avalé Alfred. Elle ne pouvait plus respirer. À bout de souffle, elle tentait de rejoindre la plage. Épuisée, la tortue s'échoua sur le sable. Alfred entendit des bruits de pas. On allait sûrement le délivrer. Une main le sortit de la gorge de la tortue et une voix s'exclama. Les sacs en plastique sont un danger pour les océans. Les animaux marins les confondent avec des méduses et les avalent. Avec une corde et une branche, l'enfant fabriqua un cerf-volant. Alfred pouvait enfin tourbillonner sans risquer d'être avalé.